mon bracelet et regarde, il commence à s'abîmer. Et maintenant que j'ai pris l'habitude de porter un bracelet, je crois que je vais m'en faire faire un. Qui pourrait me faire ça? Hermès. Hermès. Ah oui, Hermès. Tiens. Ah, bonne idée. Ils font ça, Hermès? Bien sûr. Très bonne idée. Alors, il y a un truc qui est très beau aussi. C'est la montre avec un bracelet en cuir, un peu comme un bracelet de force, si tu veux, mais il y a une montre, quoi. Oui. T'aimes bien ça? Je trouve que ça fait un peu... Ah ouais, ça fait quoi? Un peu quoi? Sadomaso. Sadomaso. Et t'aimes pas quand c'est sadomaso? Ah bon, t'aimes pas trop? Pas trop. T'es pas trop SM, toi? Non. Ah, c'est pas mauvais, hein. Mmh. Ça s'appelle comment? Le Baffy? Ouais. Ça te plaît pas qu'il y ait Baffy un cocktail à lui, non? Ah si, ça pourrait être sympa. Hein? Il va arriver, là. Il a pas sonné encore, Baffy? Pas encore, pas encore. On va lui faire goûter. Si ça lui plaît, on l'appellera le Baffy. Le Baffy. Le Baffy. Ah, c'est joli, ça. Le Baffy. Ça, pour une soirée SM, tu vois. Oui, bonsoir. Oui, monsieur Baffy, au quatrième étage, s'il vous plaît. Gilles? Oui. C'est lui? C'est votre ami qui joue avec l'interphone. Ah bah tu m'étonnes, les joueurs, Baffy. Oui, bonsoir. Il y a Terre-Neuve, en dessous il y a Petit Bateau. C'est lui encore qui joue là? Étage. Monsieur Baffy? Asile? Oui, quatrième étage. C'est possible de manger gratos? Vous voulez une chaise au porteur? Moi, pas d'argent. Je vous attends. Et ça, c'est quoi que t'as mis dedans, là, la verdure? C'est quoi, André? C'est du basilic. Ah, du basilic, ah. C'est votre ami Baffy qui Mon ami joue Baffy avec... qui est très joueur. Qui est très il joueur. Joue avec l'interphone. Je dirais même qu'il est un sale gosse. Suzanne, ouvre-toi. C'est janvier! Ripolivo! Oh les mains! À part Gaston, il n'y a personne qui fait ça. Tiens, ça va? Ça va et toi? Tu connais Gilou? Oh, Folasson. Folasson. Gilles, hein? Alors, il y a quoi dans le Baffy? Il y a de la pomme. Il y a de la pomme? Ah, ouais. Ah, comme dans. Il y a de la pomme, comme dans les tontons flingueurs. Ouais, ouais. J'ai connu une polonaise quand on prenait au petit déjeuner. Il y a de la pomme. Ça rend aveugle, il faut faire attention. Je suis allé au bistrot en bas de chez moi l'autre jour, et le patron du bistrot, il y avait son frère et sa belle-sœur qui arrivaient d'Auvergne, et ils m'ont dit, on va voir la pièce de Laurent Baffy. C'est-à-dire que tu fais partie maintenant cool. des choix de pièces. C'est-à-dire quand les gens viennent à Paris, les provinciaux viennent à Paris, tu es comme... Il y a la pièce de Laurent Ruquier, il y a la pièce de L'Emmerdeur avec Tim Seat et Berry, et toi. Mais je crois qu'il n'y a pas 50 comédies très drôles. Ouais. Non, et que le théâtre, ça coûte la peau du cul et que les gens... Ça coûte cher. Ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Ça coûte 40, 42 euros. Quand tu viens en famille, c'est plus cher que Disneyland, quoi. C'est cher. Mais ça coûte cher aussi, le théâtre. À faire. C'est pour ça que tout le monde fait du one man. Ouais. Ça coûte pas cher, le one man. Ils sont seuls, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de comédien. Ouais. Et les places sont vendues le même prix. Et les places sont vendues le même prix. Donc, one man, tu gagnes beaucoup d'argent. C'est pour ça que je vais faire un one man, moi. C'est pas pour, c'est pour l'argent. Et ça dure jusqu'à quand, ta pièce? Encore 400. Encore 400? Oui. Là, on va finir la saison. On reprend la saison prochaine. Tu reprends en septembre? Jusqu'en juin. Non. Jusqu'en juillet. Non. Et après, il y a la tournée, il y a déjà 100 dates. Tout le monde s'est jeté dessus. Tout le monde, toutes les villes veulent la pièce. Non. Mais elle est formidable, cette pièce. Moi, je l'ai vue. Donc là, c'est soirée philosophe. Ouais. Avec ton ami Ferry. On va réfléchir. J'adore, hein, Ferry. Bon, on ne se connaît pas depuis longtemps, on s'est croisé deux fois sur tes plateaux. Ouais. Et deux fois au truc contre le cancer, parce que je suis également contre le cancer. T'es contre le cancer, déjà, t'es contre le sida, contre le cancer. Et la mononucléose, non? Le rhume encore, ça va, mais ouais. Tu vois, si après, je fais des mythes après. Ouais. Allez,
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Luc et Marie-Caroline Ferry. Je vous en prie, au quatrième étage, madame, merci. Monsieur. Merci. Merci. Je vais les accueillir, là, parce que quand même... Viens peut-être, non, Laurent? Non, je vais me torcher la gueule. Hein? Ouais, d'accord, je viens. Quatrième. Oui, fait. Quatrième. Oui, je me suis rendu son quatrième. Pardon, messieurs. Qui monte? Ferry. You first. Carrément. Oh, le complètement fait. Salut, ça va? Bien, et toi? Et comment il va, le Hardisson? Bah, il va très bien. Ça va? T'as l'air. Oh, le beau. Bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir. Et t'as fait un tabac dont tout le monde en parle, hein? Non, grand tabac. C'est grâce à toi, parce que... Ouais. Sinon, difficile à faire... Personne ne saurait même que le livre existe. Hein. Ouais. Il se vend, le livre, non? Oui. C'est numéro 3, non? Je ne sais pas. Cette semaine, 2. Non, non, vraiment, je blague pas. La seule émission où on parle vraiment des bouquins, c'est la tienne, oui. Non, les quatre livres qui sont en tête du hit parade des livres, c'est quatre livres qu'on fait, tout le monde en parle. C'est toi, Oui. C'est Bernard-Henri Lévy, Oui. C'est Gisbert et c'est Zemmour. Oui. Les quatre. Oui. Chasser l'intrus. Avec trois bons livres et une merde. Et qu'est-ce que tu fais toi là maintenant, là, sérieusement? J'ai monté une boîte et je fais de la déco. Ah ouais? Ouais. Tu fais pas du cinéma? Non, du cinéma. Non, pourquoi? Il veut pas? Oh, c'est non. Pas du tout, c'est pas ça. Non, mais c'est pas mon truc. Mais t'avais eu des propositions de cinéma, non? Ouais, non, j'avais tourné dans un film. Oui, sur Canal, qui est passé récemment, non? Oui, c'est ça. Non, j'avais fait la partie inférieure du lion dans Bénure, donc le truc est passé totalement inaperçu. C'est un petit film, ouais. C'est quoi ce film? On n'avait pas été emmerdé avec celui-là aussi. On n'avait pas été emmerdé, bon, d'accord. Mais c'est quoi ce film? On n'en parlons plus alors. Écoute, c'était un film que mettait en scène un copain. Et tu jouais le rôle d'une pute, c'est ça? Oui. Hmm. C'est du cinéma. Oui, non, c'était un rôle de composition, ça, tu veux dire. Oui, c'est ça le problème. Donc, dois dire, oui. Et donc, ouais. Ça avait commencé, en fait, avant que je ne sois ministre, et après, ça avait continué pendant que j'étais ministre. Et donc, le truc était sorti dans la presse, disant que Marie-Caroline faisait des films X. T'étais la plus jeune femme de ministre de la 5e République, tu sais. La 5e République, oui, parce que sous la 4e, c'était Daniel Mitterrand. Ah oui? Ouais. Qui était déjà très âgé. Toi, t'avais 27 ans, c'est ça, non? Ouais. Ouais. T'avais 27 ans, oui. 27 ans, ouais. Mais alors, ils s'en souviennent encore, hein, au ministère, là-bas. Ouais. Hein, ça a marqué les esprits, hein. Finalement, tu vois, t'as laissé un souvenir dans la République. Oui, c'est le seul que j'ai laissé, mais... Non. Attends, blague à part, ce qui s'est passé au ministère, parce qu'il y a eu l'histoire du petit chien. Donc, mon beau-père... Le bichon jour, le bichon. Qui n'était pas un bichon, d'ailleurs, mais qui était un très... Coton de Tulliard. Ouais. Ouais. Et un jour, mon beau-père, qui est assez farceur, est arrivé avec un petit chien. Mais tu sais, comme c'est mignon, les tout petits chiens. Des petites choses comme ça, qui avaient, je sais pas, 15 jours ou 3 semaines. Et il l'a offert aux deux petites. Et évidemment, impossible de le rendre après. Une fois qu'elles l'ont vu, c'est... Alors, comme il y avait des travaux au ministère, le chien passait de la résidence, en effet, à la salle à la grande salle Condorcet, où on a les réunions de recteurs. Et c'est pas Marie-Caroline qui était au milieu de la salle, mais c'était le petit chien qui était au milieu. Et tous les recteurs des universités, et au milieu, il y avait le bichon. Les réunions de recteurs, tu as tous les recteurs, donc ils sont une trentaine, et tu as tous les directeurs d'administration centrale, qui sont généralement quand même des gens assez sérieux, il faut bien dire. Et il y a eu le petit chien au milieu, et donc un de mes collaborateurs du cabinet qui passait sous la table pour aller rattraper le petit chien. Évidemment, ça avait très mauvais effet, mais on le remettait à la résidence, et ce petit con revenait à chaque fois, parce que les portes étaient ouvertes. Droupi, non? Oui, Droupi, oui. Ouais. Il est resté célèbre, le chien. Ah oui? Oui. Ah ouais, vraiment. Alors, à l'époque, c'était Luc Ferry qui était ministre avec Droupi. Merci à ton papa, si tu veux, parce que franchement... Ouais. Tu sais qu'un jour, il l'a vu en garde et il va sur le marché, il y a une dame qui l'arrête en lui disant « Mais c'est le chien de Marie-Caroline Ferry, qu'est-ce qu'il fait avec vous ?» Et papa lui dit « Je suis le grand-père, je l'ai en garde. » Donc il y avait ça, il y avait le chien, il y avait les barésies aussi. C'est vrai que tu avais des barésies quand tu étais au ministère? Mais non. C'est pas vrai? Les mêmes qu'aujourd'hui, tu vois, qui sont barésies. Ils sont beaux, c'est... Alors, tu n'es pas obligé de les montrer. Voilà, Todo. Ouais, calme. Respire. C'est vrai qu'elle est sexy pour une femme de ministre, c'est rare, hein? Ah, il y en a. Ah ouais? Qui d'autre, vas-y? Qui? Corinne Perben est pas mal. Ah ouais? La femme de Copé aussi, ravissante. Ah, oui. Très jolie. Ah, je la connais, la femme de Copé. Très, très ah ouais, très bien. Oui, mais il y en a d'autres. Il y en a très, très bien, c'est vrai. Je l'ai croisée dans un hôtel au bord de la mer
l'été dernier, j'ai trouvé très, joli, ouais. Très bien. Une qui est bandante, c'est la femme non, de... Non, non, dis pas des mots comme ça, mais... De Chirac. Moi, je confonds. C'est un vrai nuisible. Donc, il y avait les barésies, il y avait quoi? Il y avait la salle de gym aussi, t'avais fait la salle de gym. Mais ouais, mais c'est vrai, vrai ça ou c'est pas vrai? Non, attends, mais non, comment veux-tu que ce soit vrai? Attends. C'est vous avez transformé un bureau en salle de gym. Mais non, il y avait une salle en sous-sol au ministère qui servait à l'association d'entraide à prendre des cours de peinture. Et moi, j'ai dit, dans cette salle, on peut mettre la peinture ailleurs parce que la peinture n'a pas besoin d'autant d'espace. Et je fais une salle qu'on donne à l'association d'entraide et qui sert aux 3500 personnes qui travaillent sur le site du 110 de la rue de Grenelle. Donc, la salle de sport, moi, je n'ai jamais mis les pieds, mais elle sert. Et maintenant, si tu veux, tu payes 5 euros à l'année et tu peux aller faire du sport. Une salle de sport pour tout le monde, on t'a accusé d'avoir fait pour toi. En fait, tu sais quoi? C'est le syndrome Marie-Antoinette, ça. Oui, c'est ça. Mais c'est le syndrome Marie-Antoinette. C'est-à-dire que cette pauvre Marie-Antoinette, moi, j'ai beaucoup étudié cette époque de l'histoire de France, que j'aime beaucoup. Et bon, maintenant, ça va mieux. Marie-Antoinette, elle est réhabilitée. Mais pendant des années, des siècles, on t'a expliqué que des conneries, en fait, que des trucs étaient complètement faux. Et puis il y a eu l'histoire, quand vous êtes arrivé, c'est vrai que tu as été surprise par la décoration de l'appartement quand même, c'était un peu... Mais c'est faux tout ça. C'est un particulier, il tombe en désuétude, c'est-à-dire qu'il y a des dégâts des eaux partout, il n'était pas habitable. Mais tu sais ce que j'ai fait? Tout le monde a dit que tu n'aimais pas la décoration de Jacques Lang. Mais non, mais il tombait en désuétude, c'était l'horreur ce truc, et donc il fallait le... Il n'était pas habitable. C'est-à-dire qu'il y avait, un dégât des eaux et donc il n'était pas, habité depuis 15 ans. Et donc la réhabilitation était prévue et ça pleuvait parce que les ministres n'avaient pas habité la résidence. C'était budgété par Jacques Lang. Pourquoi ils n'habitaient plus là, les ministres? Non, parce que normalement, si tu veux, un ministre a un appartement à Paris. En principe, quoi, c'est un ministre normal, il a un appart. Et nous, on n'avait pas d'appartement. Donc Raffarin nous avait demandé d'habiter à la résidence. Enfin, nous, à tous les ministres qui n'avaient pas d'appartement à eux, quoi. Donc d'habiter dans les résidences quand il y avait des résidences. Et la résidence n'était pas habitable puisqu'elle était, elle était dévastée, quoi. Donc, alors, pour une fois, j'ai à peu près prévu le coup. J'ai pris une cinquantaine de photos et quand le type du canard enchaîné est venu, j'ai fait visiter le truc. Et du coup, il nous a lâché là-dessus. Non, mais la lettre, elle est surréaliste. Les draps en satin que vous avez achetés aux frais de la République, la lettre, elle est surréaliste. Ça, t'en avais parlé, les draps en satin, dans l'émission. Non, bah, il est sympa, Raffarin, dans la vie. Adorable. Lui, on l'appelle. Le portable. Mais c'est toi qui l'a conseillé d'être ministre, quand même, non? Encore un autre. Ouais, non, en fait, il m'a posé la question et il m'a dit, on l'a appelé et il me dit, si on m'appelle pour être ministre, je lui dis, mais on ne t'appellera jamais pour être ministre, on va t'appeler pour te demander ce que tu penses du prochain ministre. Ouais. Et il me dit, mais si c'est ça, et je lui dis, Luc, ça fait 8 ans que tu travailles, que tu es président du Conseil national des programmes. Ouais. Ça fait 8 ans que tu t'intéresses à la scolarité. Ce qu'il faudrait faire, fais-le. Exactement. Ouais. Pour un philosophe, fais-le. Mets les mains dans le cambouis. Si tu ne mets pas les mains dans le cambouis, après, t'en parles plus quand on te propose la chose. Tout à fait. Mais si tu m'avais dit non, tu vois, je n'y serais jamais allé. C'est Villepin qui m'avait appelé, et je me souviens très bien, il avait laissé un message un vendredi soir. Il est sympa, Villepin. Et bien, comme mec. Oui, très. Non, mais vraiment, tu peux... Bon, mon avis doit être occupé, mais... il m'avait laissé un message le vendredi soir. Et donc, la nomination du gouvernement était en cours. Elle se faisait pendant le week-end et on savait que le mardi, le gouvernement devait être nommé. Et je n'avais pas rappelé. Il m'a laissé 3 messages. Je n'ai pas rappelé tellement j'avais les jetons parce que je me disais, mais attends, c'est possible, ils sont tellement fous, ils peuvent me demander d'être ministre. Et on ne sait jamais, tu vois, ça peut arriver. Ils sont tellement fous, ils peuvent me demander d'être ministre. Ils peuvent me demander d'être ministre. Et donc, c'est là que j'avais proposé. C'est le lundi matin que Dominique a re-rappelé et que là, j'ai décroché. J'entendais. Et j'en avais parlé à Marie-Caroline qui m'avait dit, mais attends, t'es barjot comme d'habitude, attends, mégalo, tout ça, ils vont, c'est juste, ils consultent pour savoir s'ils vont lever Darkos ou je sais pas qui. Et donc Dominique me dit, bon ben voilà, on voulait te proposer d'être ministre et tout ça, avec les 4 ministères, puisqu'il y avait la recherche, l'éduc, les universités et la jeunesse. Et puis moi, je lui ai dit, mais attends, je ne veux pas être secrétaire d'État, parce qu'on ne peut rien faire. Je croyais naïvement qu'on pouvait faire quelque chose quand on était ministre, mais ce n'est pas entièrement vrai non plus. Et donc, à cause de toi, j'ai dit oui, mais... Grâce à toi. Mais grâce, parce que maintenant... Un ministère comme l'éducation, tu as forcément des ennuis. Parce que quand tu as... Il y a 12 millions et demi d'élèves en France. Il y a 800 000 professeurs. Et donc, tu as toute la France, en vérité. Et donc, forcément, chaque jour, il y a une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a un élève suicidé, il y a un type qui s'est tué, il y a un inspecteur d'académie qui a eu un accident de voiture. Et on croit qu'on a du pouvoir. Enfin, on ne va pas rentrer dans la discussion sérieuse, mais c'est très intéressant parce que les ministres s'imaginent qu'ils ont du pouvoir parce qu'on a du pouvoir sur une centaine, 200, 300 personnes autour de soi. Parce que tu peux
par exemple, nommer un recteur ou le dénommer du jour au lendemain. Et c'est quand même des postes très importants, avec des voitures de fonction, des appartements, avec des responsabilités très grandes, avec beaucoup d'emmerdements aussi. Les recteurs, ils font un métier formidable, mais qui est très difficile. Et donc, tu as du pouvoir sur les gens qui t'entourent. Mais sur le cours des choses, c'est une autre affaire. Faire en sorte que les mots m'apprennent vraiment à lire au CP, ça, tu as très peu de pouvoir là-dessus. Mais dénommer ou nommer quelqu'un, ça te donne évidemment un sentiment pour les gens qui sont ministre de l'éducation. C'est un job à risque, en plus, les mecs, ils restent jamais très longtemps, en fait. Surtout quand on est pédophile, c'est quand même très courageux. Et vous êtes connus comment, tous les deux, alors? Un jour, les frères Bogdanov étaient en vacances, et ils squattaient chez les parents de Marie-Caroline. Ah. Dans le sud-ouest, là où ils ont une maison. Et donc, ils squattaient là. Et moi, j'étais tout seul à ce moment-là. J'étais entre deux eaux, en train de mariner. Et donc, il y a les Bogda qui m'appellent en me disant, écoute, on est dans une maison incroyable, absolument géniale. C'est magnifique. On est au bord de l'eau. Il y a quatre nanas absolument sublimes. Il faut que tu viennes. Et c'est un mec à connaître, Bogdanov. Et alors, je dis, attends, vous êtes toujours comme ça, mais c'est pas vous qui invitez. Moi, je viens pas dans des endroits où c'est pas le maître de maison qui m'invite. J'ai gardé un peu d'éducation. Enfin, bon. Et donc, je dis non trois fois, quatre fois. Puis un jour, je reçois un coup de fil du père de Marie-Caroline, Jean, qui me dit, écoutez, les Bogda vous ont invité, mais en fait, c'est moi qui vous invite et on serait ravis que vous veniez. Une fille à marier, venez. Quatre à l'époque, quatre filles à marier. Elle avait 22 ans. Non, mais ça ne porte 22 ans. 22 ans. Et moi, je déjà 57 à l'époque. Là-dedans. Et alors, elle tenait un des restaurants de l'île de Ré. Un métier de chien. Ouais. Jusqu'à 3h du matin tous les jours, 7h du matin, 3h du matin, ouais, dans l'enfer. Et je déboule là-dedans et je tombe sur Marie-Caroline. Je me dis, quand même, c'est pas un monstre. Et donc... T'étais content. Oui. Attends, tu photographies les crapauds. Je fais un petit film, tu vois, je renverse le sac. Là, il y en a... Ah oui, c'est pas... C'est le premier soir, là. Il y en a 375, je crois. Ah non, en plus, c'est vrai. C'est des crapauds, ça. Tout ça, c'est des crapauds. Parce que la grenouille, ça se bouffe, le crapaud, ça se bouffe pas. Faut boycotter les cuisses de grenouille. Ah bon ? Super bon. Mais il faut jamais toucher à ça. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'ils prennent les grenouilles, ils arrachent les pattes et ils laissent les grenouilles agoniser dans un coin. Comme ça. Il faut vraiment, faut pas toucher à ça. Oh. On n'a pas de... Tu vois ça dans une carte, il faut vraiment dénoncer tous les restaurants. Vous faites ça chez vous ? Oui, on fait. Ouais. Quelle bande d'enculés au Bristol. Oui, bonsoir. Ah ben oui, c'est Besson-Chouraki, le fameux duo. Au quatrième, s'il vous plaît. C'est là, c'est là. J'y vais. Alors, quatrième. Tout indique qu'il faut sonner là. Hein. Oui, j'ai l'impression. C'est là, messieurs, sur les kilos, hein. Comment ça va? Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Donnez-moi vos manteaux. Merci. Merci. Merci, c'est adorable. J'entends du bruit? C'est là, là-bas. D'accord, tout de suite. Oh, mec, il est mignon. Mais c'est pas possible. Fais une paye, je t'ai pas vu, Lyon. Ça va? C'est le Besson. Salut, ma pauvre. Comment tu vas? Ça va? Très bien, toi. Non, te lève pas, non, c'est pas grave. Ah, bah, vas-y. Ne bouge pas. Nous, on est au Bafi, justement. On boit du Bafi. Et vous êtes un peu... On a du mal à... Déjà, moi, ça fait une paye que je t'ai pas vu, toi. J'ai à Rhodes tourner au Jérusalem, la dernière fois que je t'ai vu. C'était donc il y a presque 9-10 mois. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors, j'ai toujours coiffé pareil. Hein. C'est un fantasme, je croyais que c'était une perruque. Je m'en ai sans compter, les miens. Les miens sont comptés. Alors, je te fous un procès au cul, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc j'ai fait au Jérusalem. Tiens, rillettes de thon, c'est cachère. C'est cachère, très bien. La rillette de thon est cachère. Ouais. Donc, ça s'est bien passé au Jérusalem, ouais. Je crois que c'est ce que j'ai fait de plus difficile depuis que je fais du cinéma. Ouais. Mais je suis très heureux du film. T'as tourné à Rhodes ? Tourné à Rhodes, j'ai tourné à Jérusalem, un petit peu. J'ai tourné à Liverpool, où on a reconstitué New York. Ah ouais. Liverpool ressemble à celle de New York. Avec les vieilles rues en briques et tout, là. Oui, ouais. On a eu un milliard de problèmes financiers qu'on a résolus. C'était bien. Ça coûtait cher, la sortie ?
Le film coûte 20 millions. Ah oui. D'euros. D'euros. Ah oui, quand même. C'est de l'argent. C'est pas tout à fait rien. C'est énorme. Non, mais c'est un gros film. Hein. C'est un gros film. Allez à vous. Allez à la tienne. À Jérusalem. Non, mais lui, attends, il est numéro 2 des ventes. Ça va pour lui. Écoute, ça fait 10 ans qu'on fait l'émission. C'est la première fois où je vois un mec parler de philosophie et il a été brillant. Brillant, accessible. Ouais. C'est rarissime. On n'a pas triché. C'est-à-dire qu'on a commencé au stoïcien, on a fini à Derrida. C'est-à-dire qu'on n'a pas triché. On a fait vraiment l'histoire de la philo en 20 minutes. Il n'était pas pédant. Et il a été formidable. Ouais, c'est rare d'avoir un mec qui connaît ce sujet. C'est extraordinaire. Voilà, ce qui est extraordinaire dans toute cette histoire, c'est que l'audience n'a pas baissé. C'est une émission qui doit être à 28,8 ou 29,2. Tu vois, bon. Donc l'audience n'a pas baissé. Et lui, dès la semaine suivante, il en vendait 3800 par jour. C'est-à-dire que si tu veux ça, c'est vraiment le service public dans ce que ça a de mieux, quoi. C'est-à-dire que on aurait pu penser que les gens zappent, pas du tout. Ils étaient. Moi, je pense que les gens, quand tu leur expliques clairement les choses, ils sont d'accord. C'était la première interview où quelqu'un avait lu le bouquin vraiment, quoi. Où tu as suivi le. Ça m'a intéressé parce que c'est vrai qu'il y a plein. Non, mais ça aide incroyablement parce que quand les gens posent des vraies questions et tu dis voilà comment. Mais alors, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait tout ? Tu as vraiment envie de le raconter. Donc moi, j'avais envie de le raconter. Comme je voyais qu'il y avait des gens autour de la table qui étaient pas tous agrégés de philo, j'avais envie que ça passe. Tu vois, c'est passé. C'est passé. Marie-Caroline pense que son mari est un génie. Tout à l'heure, elle m'a dit, c'est un génie absolu. Donc j'ai essayé de la calmer. Je l'ai vu faire. Je l'ai bien calmé d'ailleurs. Hein. T'aurais pu tirer le rideau, c'était gênant. La dernière fois que je t'ai eu au téléphone, t'étais dans la Vologne. J'étais à l'Épanche sur Vologne, oui. Avec Jérôme Béglé. Jérôme Béglé. Et on est allé, lui et moi, sur les lieux de l'assassinat, les lieux du crime, ouais. Voilà. Et c'était assez étonnant, assez solennel, bizarrement. Je m'attendais pas à un truc pareil. C'est drôle. Parce Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ? Est-ce qu'il y a des touristes qui viennent ? Alors il paraît qu'il y a des gens qui viennent régulièrement quand même. Ouais. C'est ça qui est drôle parce que l'Épanche c'est rien quand même. Il a fait un livre sur le petit Grégory. Oui. C'est-à-dire qu'en fait c'est une nouvelle collection chez Grasset. C'est-à-dire qu'on demande à des écrivains de faire des livres sur des faits divers. Et lui il a choisi le petit Grégory. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle l'Enfant d'Octobre. L'Enfant d'Octobre. Et en fait c'est une idée géniale qu'a eu Grasset. Mais en fait c'est en même temps ça s'inscrit dans une tradition parce que finalement le Rouge et le Noir c'est un fait divers, De sang froid c'est un fait divers, etc. Bon. Donc c'est une très bonne idée. Ils n'ont pas eu de mal à trouver 10 écrivains pour faire la collection, ça c'est clair. Et c'est vrai que moi j'ai eu envie de cette histoire tout de suite parce que voilà, je me souviens très très bien quand ça s'est passé, je me souviens exactement où j'étais et puis voilà, ça frappe la mémoire collective. C'est parce que l'enfant mort c'est toujours un tabou quoi. Il y a quelque chose de terrible. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plus d'ailleurs le... C'est moins le fait divers que le rapport de la mère à l'enfant mort. C'est un truc que j'ai déjà exploré dans d'autres livres, mais j'essaie d'imaginer comment tu es la mère d'un enfant mort et pire, comment tu es la mère d'un enfant assassiné. Le fait divers n'a toujours pas été éclairci. Non, mais c'est ça la force de ce fait divers, c'est que 20 ans après, 22 ans, presque 22 ans après, tu sais pas et tu sauras jamais. C'est que tu es dans un truc où, à part si la confession sur un lit de mort, c'est-à-dire l'assassin se dénonce, tu ne sauras jamais, parce que même les dernières choses qui ont eu lieu, c'était il y a quelques années, des tests ADN sur les timbres du corbeau. Parce qu'il y avait ce fameux corbeau qui envoyait des lettres, etc. Bon, bref. Et ils ont fait 15 ans après les expertises. Ils ont fait des tests ADN. Il paraît que ce n'est pas utilisable. C'est pas... Et voilà, c'est ça. Et on a expliqué que ce n'était pas possible. Du coup, l'instruction est close. Qui est que le fait divers, c'est la défaite du romancier. C'est-à-dire que quand on est romancier, le fait divers, tout d'un coup, c'est quand le réel est plus fort que la fiction. Ouais. C'est-à-dire quand il se passe un truc que toi, romancier, tu n'aurais pas osé imaginer, ou si tu oses l'imaginer, tu n'oses pas l'écrire. Ouais. Et tout d'un coup, ça s'est produit, c'est ça. Ça a eu lieu, cette histoire-là. Donc c'est un truc assez... bon. Il y a eu un travail d'enquête phénoménal. Ouais. Il faut les faire revenir tout le dossier. Alors, ça, c'est un truc assez drôle. Vraiment travaillé. Ah oui, c'est-à-dire faut lire ça. Il faut lire ça de Doc. Seulement ça, j'allais dire. Parce que quand je dis ça, ça peut être le double ou le triple. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai jamais, parce que justement, étant romancier, j'invente tout. Donc, j'ai pas besoin d'avoir de documents sur. Voilà. Et là, pour la première fois de ma vie, il a fallu que j'ai ça de documents à lire. Et ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais demandé en plus à avoir, ça c'est intéressant, la presse de l'époque. Mmh. Parce qu'il y a des livres qui sont écrits, etc. Donc, t'as 10 ans de recul, tu vois le truc. Mais la presse, c'est absolument effrayant. Mmh. Parce que tu vois surtout que les gens disent n'importe quoi. Mmh. C'est-à-dire que la presse raconte absolument. Elle dit tout et le contraire de tout. Les choses sont dites au présent alors qu'elles devraient être au conditionnel, etc. Enfin bon. Et des gens sont jetés en pâture, des secrets d'instruction est bafoué, le juge change de conviction, etc. Tout ça est suivi par les médias au fur et à mesure, etc. Le juge, c'est vachement intéressant aussi, l'évolution Lambert, du juge. Lambert.
c'est intéressant, avec cette phrase vertigineuse qu'il prononce, le juge Lambert, quand il inculpe, à l'époque on disait inculpé, pas mettre en examen, quand il inculpe Christine Villemain, donc la mère, il y a ce basculement qui se produit hein, quand même, c'est-à-dire qu'au début, quand l'enfant meurt, évidemment c'est la mère suppliciée, elle a tout pour elle, c'est-à-dire que bon voilà, les gens se disent, oh, c'est horrible parce qu'il lui arrive la chose la pire qui puisse arriver à une mère, perdre un enfant. Bon. C'est sûr. Donc elle a pour elle la sympathie du monde, cette femme-là. Et puis, petit à petit, il y a une sorte de basculement, le tribunal de l'opinion se met en branle, et tout d'un coup on se dit, c'est peut-être elle qui a tué l'enfant. Ouais. Et donc elle devient la mère présumée infanticide. Et le juge, croyez Marguerite Duras. Sublime, forcément sublime. Absolument. Ah, mais un article magnifique, terrifiant. C'est un terrifiant. Complice merveilleux, Laurent. Non mais quel talent. Mais j'ai trouvé ça extrêmement choquant, moi. Oui, parce qu'elle dit que la mère est coupable. C'est parce que moi, je suis comme toi. J'ai été choqué par cet article-là, par l'article de Duras. Et moi, je défends, en l'occurrence, exactement la thèse inverse. Je défends la thèse de l'innocence de la mère. Vous commencez avec l'article de Duras dans votre... Oui, en exergue à ça. Parce qu'elle dit un truc... Non, mais elle dit qu'il y a un truc qui est très intéressant. C'est elle dit, ce crime est insondable, plus on s'en approche et plus il nous échappe. Et ça, c'est vrai, parce que moi qui ai beaucoup travaillé dessus, il me semble que je le connais moins maintenant que j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais ce qui est terrible, c'est qu'elle, dans l'article de Libé, en juillet 85, en plus au pire moment, c'est-à-dire au moment où la mère est inculpée. Ouais. Alors je reviens juste à ce que je disais sur le juge, c'est-à-dire quand le juge inculpe la mère... Pour faire l'apologie de l'infanticide et pour essayer de... Non, mais, oui, mais c'est ça. Mais quand il inculpe la mère, le juge Lambert, il dit cette phrase effrayante, il dit « tant pis, je me lance ». Tandis que moi, je voulais vraiment faire un roman, et donc j'ai fait un truc par exemple dans le roman, c'est que j'essaie de trouver la voix de Christine Villemain. J'essaie de comprendre qui elle est. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est elle. Donc je me dis, comment elle traverse ça? Parce que moi, je crois fondamentalement à son innocence. Et je me dis, comment elle fait pour ne pas se tirer une balle, cette femme-là? Parce qu'elle a perdu son fils dans des conditions absolument atroces. Et tout le monde, enfin une grande partie des gens pensent qu'elle est coupable. Comment elle tient le choc? Et alors moi, qui suis un peu fleur bleue, je me dis, elle tient le choc parce que c'est une femme amoureuse. Parce que quand même, mine de rien, 20 ans après, elle est toujours mariée. Ils sont toujours ensemble. Ouais, ensemble. Théorie, quoi, et ils ont 3 enfants. Oui, bonsoir. Bonsoir, Christine Orban. Bonsoir, Emmanuel Ungaro. Au quatrième, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas, on verra bien. On verra bien. Ce nom. Bonsoir, madame, monsieur. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous en prie. C'est par là. C'est par là. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà. Voilà. Tiens. Bonsoir, enchanté. Oui, ça va bien, je suis content. Merci. On passe à table, non? Eh ben... Moi, je vais me laver les mains. Mais ici, mon chéri. Nosophobie. Hein? Thierry. Oui. Nosophobie. Nosophobie, c'est quoi? La peur des microbes, des maladies. Ah ouais? Nosos, le voilà. Microbe. Ouais. Phobie, la peur. Ouais. Ça va, ma chérie? Mais bien, bien. Tu es sans danger, là. Mais oui. Mais alors, mais dis donc. Chez toi, je viens sans mais lui. Mais dis donc. S'il n'y a pas ton Jules, tu es où, alors? Mais je suis content de vous connaître parce qu'en fait, vous avez travaillé avec Balenciaga. Eh oui. Et pour moi, Balenciaga, c'est comme les Facelles Vega, quoi. C'est vraiment, des mots comme ça, quoi. C'est juste le mot. Sauf que je connais pas. C'est dommage que vous ne le connaissiez pas. Il était comment? Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est l'actualité de Balenciaga. C'est cela qui était assez stupéfiant. Tout le monde s'en réclame. Ouais. Peu l'ont connu. Très peu ont travaillé auprès de lui. Je suis extrêmement ému et touché, et encore aujourd'hui, chaque fois que je parle de lui ou chaque fois que je prenais un bout de toile, c'est à lui que je pensais. Ouais. Parce qu'il a installé véritablement toute la modernité dans ce métier. Mais il était d'origine espagnole, c'est ça au départ? Comment? Il était espagnol. Il était basque. Basque-espagnol, il était de Saint-Sébastien. Ouais. Exactement. Son père était pêcheur dans un petit village qui s'appelle Guetaria. Ouais. Là où il était enterré d'ailleurs, c'est un cimetière marin très beau, splendide. Et j'étais à son enterrement d'ailleurs. Et ce qui était beau, c'est que l'église était préparé pour une fête religieuse. Mmh.
C'est-à-dire qu'il y avait une fête. Ce n'était pas triste du tout. Ouais. Et c'est ce qui m'a fait dire que Balenciaga, non seulement a réussi sa vie, mais il a réussi sa mort. Il a apporté véritablement, non seulement la modernité, la rigueur, la technique. D'ailleurs, Mademoiselle Chanel disait, tous ces couturiers sont des dessinateurs. Ouais. Il n'y a qu'un couturier, c'est Balenciaga. Ouais. Il y a une chose qui m'intéresse chez vous, c'est que moi, ma première femme, son grand-père était venu d'Italie. D'Italie ? D'Italie. Oui. Et lui, vous êtes allé... Mais de quelle Italie ? Ils sont allés à Aix-en-Provence. Bien lui, sûr. Lui, il est allé à Avignon. Et il a créé une maison de couture à Avignon. Mais non. Mais oui. Et qui s'appelait Casalino. Il a créé une maison de couture à Avignon. Mais ma mère s'appelait Casalino. Ah, bon, voilà, une petite maison de couture à Avignon. Incroyable. Et après, sa fille, qui est donc mon ex-belle-mère, a repris l'affaire. Et ma première femme et sa sœur faisaient des défilés pour leur mère et leur grand-père. C'est comme ça que j'ai tout ça connu. En Avignon. Tout ça en Avignon à la fin des années 60, début des 70. Et c'est comme ça que je les ai connus. C'est-à-dire, c'était vraiment les stars d'Avignon. C'est incroyable. Les deux frangines. Et moi, j'en ai épousé une et je suis resté 10 ans avec elle. Et mon père était tout d'abord... Il est parti pour des raisons politiques. C'était un antifasciste notoire. Ah, oui. Il avait une activité politique extrêmement importante à Aix, tout en travaillant, puisqu'il était tailleur pour hommes, voilà. Et d'armes, disait-on à l'époque. Ouais. Et dans son activité politique, il m'a appris à coudre. Enfin, à 6 ans, c'est moi qui nettoyais la machine à coudre. Ah, ouais. Oui, c'était le cadeau du samedi soir. Il fallait nettoyer et huiler la machine à coudre. Voilà. Et comme tous les provinciaux, évidemment, Aix, on étouffe, évidemment. Cette époque-là, Aix comptait 30 000 habitants, dormait complètement. Avignon était déjà un peu plus vivant, mais je n'ai aucun intérêt d'aller en Avignon. Ouais. Et donc, à nous deux Paris, tout déracinait. On est venu à Paris. Voilà. 22 ans. Voilà. Et avec un pantalon et deux chemises, c'est tout. Nous connaissons personne. Oui, bonsoir. Bonsoir, ceci d'elle. Au quatrième, s'il vous plaît. Merci. C'est long? Je pense, hein. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir. Ça va? Ça va bien? Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux là encore? T'as une choupette là? Non, je me suis lavé les cheveux là tout à l'heure. Ah oui? Bah, tiens, c'est Marie. C'est la fête, ça n'arrive pas souvent. Mais enfin, bonne nouvelle. Résultat est incroyable, Igor. Hein? Le résultat est incroyable. C'est vrai? Oui. Tu veux que j'aille me... il arrive. Le pauvre, il est très bien. C'est pas pire que les cheveux des Lichouraki. Oui, très bien. Oui, non. Je ne connais pas Cybèle, Thierry. Tu peux m'expliquer? Tu peux me dire qui est Cybèle? Cybèle est une musicienne qui fait de la musique brésilienne, qui est venue ici une fois, qui m'a complètement envoûté. Et depuis, je ne cesse d'avoir envie de la revoir. Et c'est ce soir, voilà. Oh. D'accord. Okay. Donc, mais vous êtes brésilienne, là? Je suis brésilienne, oui. De São Paulo. Oui, il est chaud, Qu'est-ce que tu fais, ma Christine, alors? Je te vois plus, là. Ah bah écoute, parce que j'écris. Quand j'écris, c'est pour ça que je te vois plus, alors. Voilà. Oui, absolument. Quand est-ce que tu reviens, alors? On a pas pour tout de suite, là. Ah bon, quand vous l'invitez? Ah bah dès qu'elle fait un livre, elle est invitée, Christine. Ça, Christine, c'est la cliente du siècle, elle est formidable, Christine. C'est quand alors? Tu sais, ça fait 8 ans que je publie un livre par an et j'ai besoin d'un peu de vacances. Pas du tout d'écriture parce qu'au fond, c'est des moments bénis, rêvés. Ouais. On est seul en jogging chez soi, c'est génial. Ouais. Ton mari qui t'oblige à tout. Ouais. Oui, exactement. Il faut que je rapporte de l'argent à la maison. Mais c'est mes vacances là en ce moment. Mais tu écris alors? Oui. Sur quoi? J'ai recommencé. Je peux pas te dire. C'est très chaud. Bizarre d'ailleurs. Ça va être plus chaud que le dernier. Si j'en parle, ça plombe la soirée. ça va être un peu plus chaud, mais pas très. Un peu, oui. J'aime bien que tu fais des trucs un peu sexe, moi. Tu aimes bien?
Mais c'est drôle d'ailleurs, je ne sais pas toi, mais moi je ne peux pas parler de ce que je suis en train d'écrire. Bien sûr, bien sûr. J'ai l'impression que si j'en parle, je ne vais pas l'écrire. Fellini disait ça, il disait toujours... Quand je prépare un film, je ne le raconte pas, parce que si je le raconte, je n'ai plus envie de le faire, ouais. Comme tout le monde le Exactement. Sait après. Mais bien sûr. Ouais. Et puis, on a l'impression que ça se fait en soi comme un bébé, presque. Ça, je ne me rends pas compte, mais... mais je suis d'accord, mais bien sûr, tu as raison. Et puis, il y a aussi un truc de superstition, c'est-à-dire qu'on... Il y a de ça aussi, voilà. Il y a un peu de superstition. Tu parles beaucoup de ton one man. Je me demande si c'est bon signe. Tu sais, un jour avec Igor, on était dans un. Bah justement, dans le restaurant de Marie-Caroline dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, c'est toi qui les as présentés, alors. Ouais, absolument. Bah, bravo. Bah, je dirais que bravo. C'est quand même pas mal. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. De temps en temps, j'y pense et je me dis que c'est. Ouais. Et puis alors, c'est fou d'amour, hein, ça ne baisse pas d'intensité. Il a toujours la même fougue. Oui, oui. Non, c'est un amour qui est recréé à chaque instant. Non, mais il est certain que ce jour-là, on a eu une grande inspiration avec Grishka. Et puis avec Amélie également, on a décidé de demander à Luc de venir nous rejoindre sur l'île de Ré. Et voilà. Voilà. Tu vois, ça confirme, j'ai pas menti. Et en effet, tout est parti de là, parce que à l'instant de la rencontre entre Luc et Marie-Caroline, on peut pas dire que ça a été le coup de foudre tout de suite, mais quelque chose était en train de se faire. Oh là là. Et moi, j'ai en effet su tout de suite... qu'il y aurait une promesse qui durerait très longtemps. Mais elle n'a pas été immédiate parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la vie de Caroline à ce moment-là et que Luc est intervenu comme... Mais je ne savais pas. Il a cassé un couple là. Non, on ne peut pas laisser faire ça. Non. Ah, c'est trop grave. Non, c'est trop grave. Là, il faut vraiment prendre le temps. Donc, il y avait quelqu'un dans ta vie. D'abord, qui Non. Jack Lang. Elle était avec Jack Lang. Marie-Caroline, il faut le dire maintenant. Depuis le XVIIIe siècle, il y a deux grandes traditions qui traversent toute la pensée mondiale, on peut dire, en tout cas occidentale, mais mondiale, je pense. Il y a au fond une tradition spinoziste qui vous invite à, c'est celle qui va jusqu'à Nietzsche, à vous réconcilier avec le monde, et puis une tradition qui plutôt passe par Kant et Marx, qui vous invite à transformer le monde. Moi, j'explique ça à ma fille très simplement, je lui dis, voilà, quand on va plonger à Porquerolles, et qu'on regarde les poissons, qu'on met son masque et ses palmes pour regarder à l'intérieur de l'eau qui est si magnifique et où on voit des choses sublimes, on ne plonge pas à Porquerolles pour transformer le monde. On plonge à Porquerolles pour se réconcilier avec le monde, pour aimer le monde et pour être en fusion avec lui et l'aimer. Hein, bon. Donc là, on est dans l'amor fati. On est dans une doctrine de la réconciliation avec le monde et pas dans une doctrine de la transformation du monde. En revanche, quand tu es ministre de l'Éducation nationale ou même si tu passes par hasard à Auschwitz, pour prendre un exemple vraiment dramatique, tu n'es pas là pour aimer le monde. Si tu peux le transformer, tu le changes. Et à la limite, une philosophie de la réconciliation avec le monde, à Auschwitz ou au Rwanda, elle est obscène. L'idée de Spinoza ou de Nietzsche, c'est l'idée que les deux grands mots qui pèsent sur la vie humaine, c'est le passé et l'avenir, qu'on est constamment dans la nostalgie du passé ou dans la culpabilité. On se réveille la nuit en se disant « Mais putain, pourquoi j'ai dit ça ?» Je n'aurais pas dû dire ça. Et donc, on est torturé. Ou alors, on se jette dans le projet et on se dit que parce qu'on va changer de mari, de femme, de maison, de voiture, ça va aller mieux. Et donc, on n'arrive pas à vivre le présent. C'est pour vous dire que ces deux attitudes philosophiques sont des deux attitudes qui, au lieu de s'opposer comme s'il y avait deux philosophies à choisir, comme si on devait choisir l'une contre l'autre, sont des attitudes qui nous traversent en permanence. Voilà. Segment, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui acceptent le monde et ceux qui veulent le transformer. Ceux qui veulent essayer de l'accepter et ceux qui se disent non, ce monde est manifestement inacceptable, il faut le transformer. Alors, ces gens se détestent. On va voir, toi par exemple, tu es dans quelle catégorie ? De ceux qui cherchent à accepter le monde ou de ceux qui cherchent à le transformer ? À transformer. Ben voilà. À transformer le monde ou à te transformer toi-même ? C'est encore autre chose. Alors c'est parce que je me suis transformé que je souhaiterais transformer le monde. Et toi alors ? Mais si tu veux, De quel côté es-tu ? Mais des deux côtés, pourquoi ? Parce que du point de vue scientifique, la science a toujours voulu transformer le monde. Elle est là pour ça, elle est là pour transformer la réalité qui nous entoure. Mais du point de vue philosophique, je suis du côté complètement du côté de la réconciliation. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est là qu'on va au fond des choses. On est dans l'essence, si on peut dire, de la réalité. Alors que quand on essaie de transformer le monde, on est du côté de la pratique, de la praxis, de l'herméneutique, enfin toutes ces doctrines qui font que, ou même la science, la recherche,
On n'est pas dans l'essence même des choses. Ouais. Les vrais moments de grâce dans l'existence, les vrais ouais. moments de sérénité et de bonheur, si ça existe, c'est les moments dans lesquels on est plutôt dans la réconciliation avec le monde que dans la transformation. C'est-à-dire que les vrais moments... Alors, tout le monde les connaît. Ça peut être un petit apéritif que tu prends le soir sur ta terrasse devant la mer ou sur ton bateau ou je ne sais pas où, à la campagne, dans ton château là-bas, dans le Gers, où d'un seul coup, tu es heureux parce que... Faut avoir un bateau, faut avoir un château, c'est compliqué, la philo. Hein. Attends, il s'écroule le sien. Et parce que si tu voyais le château, bon, mais c'est parce que tu d'un seul coup tu te retrouves en harmonie avec le monde et débarrassé du souci de le transformer. Donc c'est quand même les vrais moments de bonheur, si ça existe, c'est quand même plutôt ça. Ouais. Le moment où on a l'impression que ça y est, on est en harmonie avec la chose, réconcilié avec le monde, et qu'on n'a pas, on n'est pas dans le côté laborieux du mec qui veut transformer les choses en permanence et qui ennuie tout le monde avec ça. Tu vois. Et toi, Philippe, alors? Je sais pas, moi je me dis que. Dès lors que je suis romancier, ça veut dire que je dois avoir un problème avec le réel, tu vois, que, en tout cas, j'aurai un problème avec le monde tel qu'il est. Parce que j'ai l'impression de me situer plutôt du côté de la transformation du monde, par essence, parce que je me dis, ce que j'ai sous les yeux ne me convient pas, j'ai envie d'imaginer autre chose, de faire autre chose. Sauf que moi, j'ai une tendance à être vaguement pessimiste, donc je me dis, j'ai envie de transformer le monde, mais je crois que je ne vais pas y arriver. Ouais. C'est-à-dire, je reste avec l'idée que ça va être quand même un tout petit peu dur, et donc, à la fin, il y a quand même... Il y a toujours chez moi une part de résignation extrêmement forte, c'est-à-dire de se dire tout ça finalement n'aura pas servi à grand-chose. Et toi, Laurent, alors? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Non, mais le contraire de ça. Est-ce que tu veux dire aussi quoi? Non, moi, je vais changer le monde et je pense que je vais sauver le monde. Déjà. En tout cas, j'y travaille. J'ai déjà changé ma vie, Laurent. Et plus les années passent, et dans mon métier artistique, j'ai une conscience aiguë de la responsabilité. Ouais. Alors, ça peut paraître bizarre de la part d'un comique qui a débuté en disant des horreurs à tout le monde, mais il y a un retour immédiat. Je ne comprends pas comment Dieudonné peut assumer la responsabilité de ce qu'il fait. Je ne comprends pas comment il assume de mettre ses gamins à l'école. Est-ce que les torrents de haine que doivent se manger ces gosses, j'ai une conscience aiguë de ça. Ouais. Donc je fais attention à ça, et même dans mes comédies, dans mes histoires, j'ai un petit message qui peut apparaître simpliste, mais qui est positif, de tolérance. Ça veut dire que tu t'interdis les choses, par exemple? Totalement. Tu vois, c'est un scoop. Totalement. Et je t'emmerde. Je m'en doutais. Moi, évidemment, j'ai envie de changer le monde. Je le trouve insupportable, donc je trouve que la tête qu'il a ne me revient pas et j'ai envie de le changer. Mais je dois reconnaître que je ne suis vraiment heureux, en tout cas serein, que dans les moments de réconciliation avec le monde. Et que les autres moments sont des moments de grande souffrance. Et donc, c'est ça le problème. Voilà. Donc, pardon de dire les choses aussi. Donc, on peut être heureux qu'en oubliant un petit peu. Non, c'est pas exactement ça. Mais d'où l'importance de la drogue. Enfin, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, il y a quand même des magnifiques théories du génie qui ont été inventées pour expliquer que le génie, comme l'humoriste d'ailleurs, mais lui, attends, il est extraordinaire, Laurent. C'est la même chose. Laurent, il a des fulgurances. Tu inventes, t'as des fulgurances. Je l'ai vu. Je trouve que c'est génial chez toi. Il a des fulgurances, Laurent. C'est-à-dire que ça lui tombe dessus, quoi. Simplement, la différence entre les fulgurances du nul et puis les fulgurances du mec qui est génial, c'est que les fulgurances du type qui est génial, elles font sens commun. C'est-à-dire que tout le monde rigole ou tout le monde aime. Et ça, cette capacité à tirer de soi sans qu'on sache absolument d'où ça vient. Le truc qui... On ne sait pas d'où ça vient. Mais que ça fasse sens commun pour tout le monde, ça, c'est le grand talent de l'humoriste et le grand talent du génie. Et si tu lis, par exemple, pour moi, le plus grand livre sur le sujet, c'est un livre de Kahn qui s'appelle La critique de la faculté de juger, où il fait une comparaison terme à terme entre l'humoriste et l'artiste et le génie. Quel Kahn, le généticien? Kant. Ah, Kant. Celui qui est kantien. Ouais, Emmanuel. Et pour moi, les vrais humoristes, alors ça devrait, à mon avis, t'intéresser, c'est pas ceux qui racontent des histoires ou qui ont préparé un scénario, tu vois, qui ont un... Alors, il y a des types formidables, tu vois, Gad Elmaleh, et pas tant, mais les trucs sont écrits, ou Raymond Devos, tu vois, c'est écrit. Ouais. Mais le type qui est capable, au pied levé comme ça, de te sortir une blague qui, d'un seul coup, fait rire
tout le public. Ça, c'est le coup de génie. C'est exactement le coup de génie. Tout de suite, c'est-à-dire que Laurent, voilà. moi je l'observe. Hein. C'est-à-dire que Laurent. Est non, quand... non, mais attends, non, non, mais c'est vrai. Il non, mais là, il, là, c'est le meilleur. Non, mais attends, moi, je dis toujours Laurent, ouais. c'est le Rain Man de la vanne. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. il est assez autiste dans ouais. la vie et tout ça. Et il est sur un plateau et d'un seul coup, il va te dire le truc, mais du tac au tac. Du tac au tac. Il ne réfléchit pas. Voilà. Il te balance la vanne. Tu cherches ou tu ne cherches pas? Bien sûr. Alors, je t'explique comment il fait. Laurent, je t'explique comment il fait. Ça t'écoute et tu te retrouves. Laurent, je t'explique. Tu dis quelque chose. Dans la première demi-seconde, il scanne toutes les vannes qu'il a en réserve. En une demi-seconde, il passe tout en revue. S'il n'a pas la bonne vanne, dans la deuxième demi-seconde, il en trouve une. Voilà. D'accord. Voilà. C'est ou là. Pas. Ou pas. Ou pas, ça arrive. Ça, pas, ça t'arrive de trouver quand même, si vous voulez. Ça t'arrive de trouver. Très souvent, je regarde l'émission chez moi, je dis, mais je dis comment j'ai pu ne pas dire ça. Ce qui fait dans Tout le monde en parle, c'est. D'ailleurs, il est le seul à pouvoir le faire, parce que moi, j'en connais pas beaucoup d'autres, honnêtement. Si demain, il passe sous un camion, on va être très emmerdé. Ah oui, ton émission, elle est carbonisée parce que t'as envie de faire des assurances, des choses comme ça. J'adore ce dîner. C'est un rabbin qui est dans Ajaccio, New York. Elle est géniale. Et tout à coup, ils arrivent, il pleut, ils arrivent, tout à coup, il y a une voiture qui bloque le taxi. Il y a trois mecs qui descendent, loubar, masqué, ils sortent le chauffeur taxi, puis le rabbin fait « Arrêtez, arrêtez !» Ils prennent le mec, ils lui tapent dessus, ils prennent sa sacoche, « Arrêtez, arrêtez !» fait le rabbin. À ce moment, arrive une voiture de flic, la voiture, les mecs se tapent sur, sont sur les voyous, ils lui tapent, et le mec fait, le rabbin fait, arrêtez, arrêtez. Le chef de la brigade des flics vient vers le rabbin et lui fait, et le rabbin fait, arrêtez, arrêtez. Le chef lui dit, mais calmez-vous, ça y est, arrêtez, arrêtez, mais calmez-vous, c'est fini, non, arrêtez le compteur. Là, le temps quantique, il est à 10 puissance moins 43 secondes, c'est-à-dire au moment de Planck. Mais en dessous, il y a peu de c'est le moment du temps quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est le moment où l'univers apparaît sous sa forme physique. Tu vois? Imagine que l'univers est un cône comme ça. C'est un bon dealer, toi. Hein. Nous sommes dans... si tu veux, le voilà. Tiens, voilà, ça, c'est l'univers. Un beau cône. Nous sommes quelque part ici. Un gros cône. Tu vois? Vas-y, allume-le, on va le fumer ensemble. On va aller jusqu'au sommet du cône, c'est-à-dire jusque-là, qui est à 10 puissance moins 43 secondes. Ouais. Le d'accord filtre, ce qu'on appelle le filtre. Chez voilà. Non, non, mais ça, toute la partie rouge, c'est la partie énergétique. C'est-à-dire que c'est la partie matérielle de l'univers dans laquelle nous sommes. Et qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est tout simplement, comment dire, la transformation de l'univers par l'énergie. Maintenant, ici, il y a le temps de Planck. 10 puissance moins 43 secondes. Et là, toute la partie blanche, là, c'est un monde sans énergie, qui est un monde où le temps se mélange, le temps réel se mélange au temps imaginaire, et à zéro, il n'y a que de l'information pure. Autrement dit, ce qu'on disait... J'ai terminé. Tout comme chaque être humain, chaque être vivant est précédé par un code génétique, c'est-à-dire par une information, l'univers tout entier est précédé par une information. Et voilà. C'est, voilà, c'est tout. C'est pas compliqué, Emmanuel. Milodieu, ton grand-père, il viendrait fou s'il venait par ici, Milodieu, avec tout ce bordel que t'as foutu sur les murs, nom de Dieu. Putain. Et le mur de Planck. Et avec tous ces conneries. Mais non, Milodieu, mais non, c'est pas ça. C'est bien pire. C'est bien pire. Son grand-père, je l'ai connu, moi. C'était quelqu'un. Et bien, s'il venait, et s'il le voyait aujourd'hui, Milodieu, tout grand qu'il est, il lui foutrait une fessée devant tout le monde. Palmita. Aïe. Hé, hey, allez. La marca de la la marca de la sí, sí, es la pegadilla la mujer, la hermanita. Haremos con Romero, la ramarra, porque el torre del fuego. Oh, wow. Sí. En la porcita, la porcira. Un, dos, tres, ay, 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 porcita, 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 a la porcita, 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 a la porcita, 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 a la porcita, a la porcita, sí. Salve, ya yo, para el gremero, 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 para el
fuego, ponle el fuego, el fuego, el fuego. Hey, allez, qu'elle joue toute seule à la guitare. Ok. Bravo. Não quero que você me coma. Não quero que você me engula. Não quero que você me acorde. Não quero que você me durma. Não quero que você me assista. Não quero que você me assuma. Não quero que você me corte. Não quero que você me inclua. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde se tordait la gueule depuis 40 ans sur les potes d'Anne. Et maintenant, j'ai compris. Voilà. On ne savait pas que c'était des comiques, en fait. Lui est venu pour le mur de planque. Et un jour, vous étiez... Ah, voilà ton frère. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.